Coucou les copains! Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de Boris. Petit cochon! Boris, la passe! Allez, fais-moi une passe! Non, la vache, la balle, je la garde pour moi. Maman, je suis un peu tombée dans la boue. Boris, petit cochon, allez à la douche. Bon, maintenant que tu es propre, essaye de ne pas te salir à nouveau. Oui, bien sûr, madame maman. Attention, on revoit la Boris. Oups. Splat. Coucou maman, me revoilà. Déjà? Boris, je te préviens, c'est ton dernier short propre. Si tu te salis à nouveau, tu iras jouer dehors en slip. Cette fois, je ferai attention, maman. Promis. La passe, la passe. Pas touche, toi, c'est la balle de Boris. Et puis d'abord, t'es qui, toi? Étranger? Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh, mais c'est moi, Boris. Vous avez besoin de lunettes ou quoi? N'importe quoi. Boris, il ne porte que des shorts rouges. Tout le monde sait ça. Ton short, il est rose, pas rouge. C'est toi qui as besoin de lunettes. Et puis, Boris, c'est un ours. Les débiles, je vous signale que je suis un ours. Ah oui, tu n'es pas très brun pour un ours et pas très poli. Toi, tu ressembles à un cochon. Quoi? Un cochon? Moi? C'est vrai, d'ailleurs, tout le monde le dit. Oh, qui ça, tout le monde? Tu es un cochon, tu es un cochon, tu es un cochon, un cochon, un cochon. Quoi? Mais puisque je vous dis que Boris, c'est moi. Ah oui, pas de doute, c'est bien Boris. Il n'y a que Boris qui s'énerve aussi vite. Et surtout pour crier aussi fort. Boris, tu es peut-être un ours, mais tu as un vrai caractère de cochon. Au revoir. Et à bientôt.